Bonjour et bienvenue à Histoire de passer le temps. Ici Maude Savaria au micro. Et aujourd'hui, je reçois la toujours pertinente Sabrina Gaudreau-Drouin. Pour nous parler de l'histoire du plastique. Bonjour Sabrina. Bonjour. Ensuite, Marie-Laurence Rowe, de notre côté de la ville cette semaine, qui nous parle du bed-in de John Lennon et Yoko Ono il y a 50 ans. Bonjour Marie-Laurence. Allô Maude. Et pour terminer l'émission, nul autre que Joël Beauchamp-Monfette qui nous parle de la famille Molson. Bonjour Joël. Bonjour. Et à la régie, nous avons Valérie Beaulieu-Paquette. Qu'est-ce que tu as pour nous, Valérie, aujourd'hui? Allô, allô. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la vie d'Evita Perón. Je ne sais pas si vous la connaissez. Oui, un peu. Ça dirait quelque chose. C'est une femme politique d'Argentine qui est assez controversée. Je voudrais parler de sa vie, mais ça mériterait une chronique en entier. Donc, je vais plutôt m'en tenir à sa très inusitée vie après la mort. Donc, Evita, de son nom María Eva de Huarte de Perón, excusez l'accent, je parle absolument pas espagnol, elle est née en Argentine en 1919. Elle est issue d'un milieu pauvre et puis elle a déménagé à Buenos Aires pour devenir actrice. Elle a connu beaucoup, beaucoup de succès à la radio, au cinéma, au théâtre et même dans le domaine syndical. En 1945, elle épouse nul autre que le colonel Juan Domingo Perón, qui devient président de la République l'année suivante. Et elle sera d'ailleurs très investie dans sa carrière politique en Argentine. Et là, rapidement, sa popularité et l'importance de ses actions au sein de la population font en sorte qu'on lui propose, en à peine quelques années, qu'elle pose sa candidature à la vice-présidence. Evita va décliner l'offre en raison de sa santé et meurt en 1952 à l'âge de 33 ans d'un cancer. Donc, elle blaguait pas quand elle disait que sa santé était pas bonne, c'est ça? Oui, c'est ça. C'était pas comme « Non, je ne peux point ». C'était comme « Non, non, genre, il y a quelque chose qui marche pas ». Mais pour donner un exemple là, de comment elle était populaire, là, j'ai déjà fait un travail là-dessus, je pense, au cégep. Puis de ce que je me souviens, là, elle faisait des rencontres, elle faisait des discours, tout le monde l'écoutait. Puis elle donnait ses bijoux aux gens pauvres là, qui l'écoutaient. Elle faisait vraiment des affaires là, populistes là, comme ça. Là. C'est vraiment ça, très intense. Elle avait des bons coups de pub, à ce qui paraît. Oui. Donc, c'est ça. La prochaine étape, c'est elle meurt. Là, on se dit, bon, c'est logique. C'est le repos éternel, n'est-ce pas? Eh bien, pas du tout, du tout, en son cas. Son mari, Juan Perón, l'a fait embaumer pour préserver son éternelle beauté par un processus qui aurait à peu près pris plus d'un an, là, où on la trempe dans le formol, dans l'alcool, puis on remplace son sang par de la gélatine, puis en way, let's go. Par la suite, il l'exposait parfois en public pour rallier ses supporters. Quoi? Ouais, c'est un petit peu macabre, hein? D'utiliser sa femme comme ça après la mort. On trouverait ça extrêmement malaisant et mal placé aujourd'hui. Un carton grandeur nature, ça les dérangerait. Ouais, c'est ça. Une petite peinture, le fait par un bel artiste populaire de l'époque, non? Et là, c'est pas fini. En 1955, il y a eu un coup d'état militaire, puis il y a des officiers qui ont volé le corps d'Evita et qui l'ont promené et caché à divers endroits à Buenos Aires. Un petit peu comme, comme on disait tantôt. C'est comme la statue du Plessis, c'est ça? Ils jouent à cache-cache avec. Et en 1957, ils ont envoyé le corps d'Evita, tenez-vous bien, par avion en Italie, où elle a été enterrée sous un faux nom dans un cimetière de Milan. Okay. Pour faire simple. Évidemment. Et puis, ce weirdo de Juan l'a enfin finalement récupéré en 1971, alors qu'il était en exil à Madrid, et l'a placé dans un cercueil ouvert dans sa salle à manger. Ben pourquoi pas? Pourquoi pas? On va garder bien. Des réceptions, là, c'est la belle décoration. Exact. Puis, ben, tant mieux. Toute la famille à table. Ça a l'air que ça posait pas du tout de problème à sa nouvelle femme Isabelle, qui vivait en communion avec ça. Et puis, bon, ce n'est que seulement qu'en 1976, presque 20 ans après sa mort, que le corps d'Evita a finalement été placé bien en sécurité par ses sœurs dans le mausolée familial en Argentine. Ça leur a pas tenté de le brûler pour éviter que d'autres problèmes comme ça arrivent, non? Je sais pas, il y a quelque chose de mythique autour du corps d'Evita Perón. Wow. Voilà, en espérant que ça vous a donné le goût de lire sur sa vie, sur cet étrange personnage. Oui, et sa vie est très controversée et polémique. Il y a un film là-dessus avec Madonna qui a été fait en 96. Ça s'appelle Evita. Voilà. Je ne l'ai pas vu, mais vous pouvez le voir. Donc, wow, super sur cette anecdote macabre et perturbante. Oui. Nous allons aller avec la chronique de Sabrina sur l'histoire du plastique, chronique en deux parties.
qui va sûrement nous donner quelques pistes de compréhension sur notre crise climatique actuelle. Ouais, c'est un petit peu moins macabre que l'anecdote, mais quand quoi même. Quoique le plastique, quand on y pense. Ben, en fait, comme on l'a déjà mentionné, là, aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui fait un grand écho depuis quelques années. Puis là, on va le voir depuis quand même plus longtemps. Le plastique, étant moi-même, sans vous raconter l'histoire de ma vie, étant moi-même dans un processus d'éradication des matières plastiques à usage unique, je suis comme devenue hyper sensible sur tout ce qui entoure le sujet. Fait que je me suis dit que c'était l'occasion parfaite pour creuser mes connaissances parce que, à part le fait qu'on retrouve le plastique partout, je savais pas grand-chose là-dessus. J'ai toujours vu, en fait, le plastique là, comme étant quelque chose qui faisait justement partie du quotidien, sûrement que vous aussi. Puis je m'étais jamais vraiment arrêtée sur le fait qu'il s'agit à la base d'une création humaine, ce qui est paradoxal parce que maintenant, on se casse la tête à vouloir le faire disparaître. Puis d'ailleurs, selon plusieurs études, là, depuis 2015, la quantité de plastique qui est rejetée dans l'eau se situe entre 6,5 et 8,8 millions de tonnes, et ce, chaque année. Rien de moins. Oui, on se rappelle le continent de plastique. Oui, c'est ça. Exact. De quoi en créer deux nouveaux à chaque année. Oui, c'est ça. Ben, il n'y a rien de plus merveilleux dans ce cas-là. Mais dans le même ordre, une étude réalisée par le département de génie de l'environnement de l'Université de Géorgie affirme qu'en 2025, ça va être 170 millions de tonnes de débris de plastique qui vont souiller les mers du monde. Ouch, c'est quand même une grosse quantité de plastique. On va pouvoir recommencer à marcher jusqu'en Russie. Ben oui, exact, c'est ça, il n'y aura juste plus d'eau. En effet, ben déjà en 1957, par exemple, on a un peu cette vision-là là, qui est alarmante de la question du plastique, mais plus chez les philosophes. Le philosophe français Roland Barthes affirmait, et je le cite, « À l'étendue des transformations, l'homme mesure sa puissance. L'itinéraire même du plastique lui donne l'euphorie d'un glissement prestigieux de long de la nature. La hiérarchie des substances est abolie, une seule les remplace. Place toute, le monde entier peut être plastifié et la vie elle-même. » Fait que c'est un peu ça qu'on vit là, puis qu'on dit actuellement. C'est quand même assez frappant comme constat. Cette citation-là du philosophe, pardon, est encore tellement actuelle aujourd'hui. C'est donc dire que les matières plastiques, ben, ça inquiète certains penseurs et chercheurs depuis longtemps. Mais comment en fait, c'est la grande question de ma chronique en deux parties, comment l'humanité, carrément l'humanité au complet, a-t-elle développé sa dépendance au plastique, puis comment sont découvertes ces matières-là? Comme je l'ai mentionné, ma chronique va être en deux parties. Cette semaine, ça va davantage être axé là, sur les grandes découvertes, fait que plusieurs dates, plusieurs personnages. Puis la semaine prochaine, ça va être davantage sur l'éveil des voix, en fait, fait que tous les mouvements un peu pour contrer le plastique. Fait qu'avant d'arriver dans le vif du sujet, ben c'est quoi le plastique? On pense savoir tous. C'est une bonne question. C'est quoi? Mais finalement, le plastique, ben il y a plusieurs sens et significations. D'ordinaire, lorsqu'on parle de plastique, puis ça va être ça dans ma chronique aussi, on fait référence à la matière, qui est un ensemble de matériaux naturels ou de synthèse basé sur la résine. Puis cette résine-là est constituée de macromolécules appelées polymères. Fait que c'est un peu ça qu'on a besoin de se rappeler pour bien comprendre les matières plastiques. Les macromolécules, là, on a ça dans le bois, dans les textiles naturels. On y ajoute des additifs maintenant pour améliorer les propriétés chimiques et physiques des matériaux. Par exemple, pour qu'ils soient plus résistants au choc, pour changer la couleur, etc. Les caoutchoucs aussi sont parfois considérés comme appartenant à la famille des matières plastiques, même si la fabrication du caoutchouc, ça nécessite un procédé qui est un peu différent, puis qui est appelé vulcanisation, fait que tenez-vous le pour dit, ces concepts scientifiques maintenant, vous les savez. Mais comment on découvre le plastique? La première matière plastique industrielle, donc on produit à grande échelle, basée sur un polymère qu'on a complètement synthétisé en laboratoire, c'est la bakélite au début du 20e siècle. Mais juste à titre informatif, là, la bakélite, c'est un composé principalement utilisé pour ses propriétés isolantes, fait qu'il est très utile là, pour la construction des maisons. Par contre, le 19e siècle est propice aux découvertes et on fait énormément d'expérimentations sur les matières naturelles. Son utilisation, par exemple, débute bien avant, puisque une source datée de 1470 avant Jésus-Christ, fait que ça fait quand même un petit bout, décrit la fabrication de la colle d'os dans la construction du mobilier.
Or, même si c'est assez légitime là, de se demander dans quelle mesure les eaux correspondent à la définition du plastique, il faut savoir que la gélatine qui se retrouve dans l'os est constituée de polymères. Fait que si on se rappelle bien de ma définition de base, en effet, le polymère, c'est la matière principale là, d'une matière plastique. Fait que la colle d'os, aussi farfelue que ça puisse paraître, ben c'est considéré comme une des premières formes là, de plastique. Les connaissances par rapport aux matières plastiques vont se multiplier à travers le temps, mais sans se généraliser rapidement. L'intérêt pour ces matières-là, ben, c'est d'abord pour ses propriétés qui sont plus utilitaires, donc pour nous simplifier la vie au quotidien, mais on se rend un peu compte des connaissances puis du bagage qu'on a. On y va plutôt à tâtons. Puis aussi par l'entremise de certaines traditions. Par exemple, à la fin du 15e siècle, ben Christophe Colomb va rapporter en Europe des plants de caoutchouc qui sont appelés et utilisés là, quotidiennement par les Autochtones. Eux, ils l'appellent caoutchouc, donc C-A-O-T-C-H-U, qui signifie « bois qui pleure ». Une bonne signification là, lorsqu'on se rapporte à aujourd'hui puis qu'on pense à la pollution qu'engendre un beau feu de pneus. Blague à part. Les signaux de fumée ont changé. Oui, des c'est autochtones. Ça. Une ironie qui fait mal un peu. Exact. Mais blague à part, si, comme je l'ai mentionné, on peut faire remonter l'histoire des matières plastiques à l'Antiquité par la considération des matières plastiques naturelles, c'est surtout à partir, comme je l'ai dit, de la fin du 19e siècle que leur utilisation s'étend avec la mise au point de plastique synthétique. Fait que le 19e siècle va rendre possible beaucoup d'avancées, notamment par le partage des connaissances scientifiques. Donc, on ouvre justement ces connaissances-là et on les partage pour justement synthétiser de plus en plus de matière. Les recherches dans le plastique sont surtout pour permettre des alternatives durables aux ressources naturelles qu'on trouve à ce moment-là trop imprévisibles, trop fragiles, trop coûteuses aussi. À ce titre, ben l'anglais Alexander Parks présente la parkésine qui est qu'on comprend directement dérivé de son nom de famille, en 1862, à l'occasion de l'exposition universelle de Londres. L'endroit rêvé, en fait, pour susciter les investissements dans sa découverte. Donc, la matière organique dérivée de la cellulose, qui est utilisée dans la synthèse du plastique, peut être chauffée et moulée, sauf que lorsqu'elle est refroidie, ce qui est fantastique de sa découverte, c'est qu'elle garde sa forme. Donc, c'est super utile, en fait, pour la construction de toutes sortes de choses qu'on veut pas, justement, altérer. Parks revendiquait, en fait, que le nouveau matériau pourrait remplacer le caoutchouc dans n'importe quelle application, mais avec un avantage de coût et de possibilité de production aussi. C'est donc super alléchant là, pour les industriels de l'époque. Par contre, le génie derrière la parkésine va rapidement perdre de son prestige et de son intérêt lorsque les investisseurs vont découvrir le coût élevé de la matière première nécessaire à sa production. Parce qu'à ce moment-là, c'est pas tout de la parkésine qui est de synthèse, donc la matière première qui sert à la fabriquer, ben elle coûte encore très cher. Fait que là, il faut vraiment trouver le moyen de absolument tout synthétiser dans la production d'un plastique pour le rendre justement, pour le rendre alléchant au coût des investisseurs puis pour le commercialiser aussi par le fait même. Rapidement, ben c'est les intérêts commerciaux qui vont prendre le dessus sur les considérations face aux matières naturelles. Si on s'inquiétait de manquer de matières naturelles, là, c'est vraiment le côté économique qui va prendre le dessus. Mais quelle surprise, c'est du jamais vu. Donc, le 20e siècle d'avant-guerre est très prolifique, puis on va commercialiser de plus en plus des matières qu'on utilise encore beaucoup aujourd'hui. Par exemple, un chimiste suisse va découvrir le cellophane en 1908, la belle pellicule plastique là, qu'on utilise à tort et à travers. C'est aussi en 1935 que le fameux sac de plastique fait son apparition par la création du polyéthylène. Deux inventions qui sont reçues là, comme étant révolutionnaires dans le monde scientifique et pour le consommateur, parce que le coût est pas cher, donc on le commercialise, mais qui sont vues comme le véritable fléau, en fait, des chercheurs en environnement. Le polyéthylène des sacs de plastique est synthétisé à partir de l'éthylène, qui est lui-même majoritairement produit à partir du pétrole ou de gaz naturel. Même s'il est possible de l'obtenir à partir de ressources renouvelables, ben, les produits de pétrole ben, sont moins coûteux puis plus rapides aussi. Ce plastique-là représente un enjeu là, majeur de gestion des déchets, non seulement en raison de son abondance maintenant, mais aussi par sa
parce que dès sa création, en fait, c'est un produit qui est non biodégradable. Fait que le polyéthylène, en plus de s'accumuler dans l'environnement, ben émet des gaz toxiques lorsqu'on essaie de faire sa combustion. Fait qu'on peut pas l'enfouir, on peut pas le brûler non plus. Tout ce qu'on fait, dès qu'on le touche, en fait, ça a des émanations. Fait que on est un peu pris avec. Ça, ils n'ont pas pensé à ça quand ils l'ont créé. Ils ont fait comme, oh, on va mettre ça sur le marché, tout va bien. Ben, c'est ça. On passera à ça plus tard. Le but, c'était de le créer. Puis là, après, qu'est-ce qu'on fait avec? Ben, ça, c'est une autre question, mais elle vient directement après la création, pas avant. si à la fin du 19e siècle, le charbon domine sur le pétrole, ben après 1945, là, c'est vraiment le pétrole qui règne dans la conception des nouvelles matières avec toute la gamme des plastiques. Ceux-ci sont censés préserver la nature en diminuant les prélèvements sur la biomasse, comme dans le cas, par exemple, de la soie ou l'ivoire, ce qui va être le cas, mais... pas complètement. Environ 10 millions là, de composés chimiques auraient été synthétisés au cours du 20e siècle, parmi lesquels 150 000 reçoivent des applications commerciales. Fait que quand même, là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de matières plastiques qui sont mises en marché. Et ils sont tous encore ici aujourd'hui. Exactement, parce qu'on peut pas s'en départir. La Seconde Guerre mondiale là, va exacerber complètement les besoins en matières premières. Donc, les matières synthétiques, ben, ils s'affichent comme la solution parfaite pour contrer ces besoins-là. On remplace les métaux qui sont lourds et coûteux par des plastiques qui ont beaucoup plus d'avantages à première vue. Les automobiles, les trains, les articles électroménagers aussi, par exemple, n'ont cessé de s'alléger, je sais pas pourquoi j'ai dit allégrer, j'ai inventé un mot, de s'alléger en métal puis de gagner en performance grâce à l'apport des matériaux plastiques partout dans le monde. Mais baisser la durée de vie, par exemple. Et oui, mais ça, comme j'ai dit... L'obsolescence programmée. Oui, c'est ça. Partout dans le monde, la consommation de plastique entre 1950 et 1960, ça augmente de manière exponentielle. D'ailleurs, si les années de guerre ont eu recours aux ressources naturelles et donc justifié le besoin du plastique, les années d'après s'en servent encore bien davantage. Le divertissement, la surconsommation aussi des biens matériels fait du plastique la véritable vedette. Fait cocasse, d'ailleurs, c'est justement durant la Seconde Guerre mondiale qu'une compagnie états-unienne, surtout connue là, pour sa contribution à l'industrie du nucléaire pour le projet Manhattan, commercialise le bon nylon qui se répand rapidement et abondamment à travers le monde pour les besoins de ces dames. Mais c'est aussi un bas qui n'est pas biodégradable. Donc, comme le sac de plastique, on est un peu pris avec. Fait par une compagnie nucléaire qui aussi n'est pas très biodégradable. Pas beaucoup, non. On est durant cette période-là là, que la consommation de plastique passe de 1,9 kg à 15 kg par habitant. Fait qu'il y a en seulement une décennie dans les pays industrialisés. C'est quand même une grosse augmentation. En effet. Les inquiétudes à l'égard là, de la démesure des chimistes qui cherchent à rivaliser en fait avec la nature accompagnent d'ailleurs toute l'histoire là, de l'industrie de la pétrochimie. C'est pas seulement pour le plastique. Ces avancées-là, ben, ils suscitent les doutes des chercheurs. Comme on a ici Pierre Baranger, qui est titulaire de la chaire de chimie de l'École polytechnique, qui à partir de 1949, dans une synthèse sur le sujet qu'il a publié en 1956, il observe en fait que les plastiques ne sont que des pâles imitations des admirables substances et inconscientes de l'homme. Fait que lui, il aime ça le plastique, tu sais, on le ressent. À se passer de la nature et à s'adorer lui-même. Fait que ce chimiste-là, en fait, lui, il voit le côté plus narcissique, justement, des besoins du plastique. Le chimiste, sans y aller de main morte, le dénonce également la dilapidation frénétique et réfléchie des matières plastiques fossiles pour les obtenir. Fait que c'est quand même pas des considérations du 21e siècle de s'inquiéter de la part du plastique, mais ça va être peu de voix quand même qui vont s'élever avant il y a pas si longtemps. Fait qu'aujourd'hui, là, j'ai surtout essayé de vous présenter par de nombreuses inventions le visage qui est plus innovateur, plus prestigieux de la découverte du plastique. Dans ma chronique la semaine prochaine, par contre, je vais parler des débuts des revendications, notamment environnementales, ainsi que des premières lois qui vont entourer l'utilisation du plastique. Parce que au moment de sa création, il y a pas du tout de loi, là, c'est un peu le free-for-all pour l'utilisation du plastique. Alors qu'on a vu la portion qui est plus révolution de son histoire, mais la semaine prochaine, il va être question de sa relocalisation au titre de fléau. Alors, oui. Voilà.
Wow, ben c'est super éclairant. Merci beaucoup, Sabrina. J'ai hâte à la semaine prochaine pour. C'est ça, là, j'ai comme mis la table, en fait. C'est tellement d'actualité, c'est fou. Même, on voyait dans les nouvelles la semaine passée la Malaisie qui renvoie ses déchets. Oui, exactement. Oui. Ben, c'est le Canada, entre autres, là, qui renvoie ses déchets en Malaisie parce que justement, on veut pas nous oublier. Mais là, on les rapatrie. C'est rendu qu'on rapatrie nos déchets. c'est ça qui est beau avec l'histoire du plastique, c'est que tu fais aussi l'histoire de la conscience humaine avec son environnement. Mm-hmm. Mm-hmm. C'est qu'on a toujours jeté dans la nature nos propres déchets, puis on voyait pas l'impact jusqu'à ce que là, on devienne trop. On crée des choses qui ne se désagrègent pas. T'sais. Et l'image de ta pub qui était vraiment frappante, là, pour ceux et celles qui l'ont pas compris, l'image de la pub, c'était un pot de yogourt Yoplait édition Jeux olympiques de 76 de Montréal en France. En 2015. Donc, c'est complètement fou là, de voir que. Puis, il était encore parfait. On voyait tout ce qui était écrit dessus. Donc, c'est la beauté du plastique. Mais c'est pas biodégradable. C'est un acteur transnational. Oui. On dirait qu'ils ont comme essayé d'amoindrir un peu l'impact en faisant des plastiques plus. Tu sais, nos bouteilles deviennent plus minces. Les petits wraps de bonbons sont plus minces. Mais ça leur permet d'en faire plus. Ils étirent la sauce. Là, c'est pas le. Oui. Et tout le rôle des compagnies pétrolières là, derrière tout ça, qui ont sûrement freiné aussi d'autres alternatives au plastique. Il y a définitivement un gros lobby, justement, qui entoure toute la question, non seulement du pétrole, mais aussi du plastique. Je vais vous jaser de ça aussi la semaine prochaine. Bon, on a hâte d'entendre ça. On va aller en musique, Valérie? Ouais, j'avais l'âme hip-hop aujourd'hui. Fait que on va écouter une chanson qui s'appelle Energy de Sampa the Great. Energy, drank a cup of quotas on my chorus, then I code up. If I rule the world, money stacks for all my daughters. Never ask for payment in the womb, times nine. Now we see the blood on the street, times trying. Feminine energy, balance up the indestructible in the vaginal. Heaven in thine, heaven is mine. Spiritual, lyrical, mother sang, sweetest taboo, rickle kind. If I was astonished by the level of shame, feminine energy, energy rain. Intuition and ambition, intuition strain. Intuition and ambition running through my veins. Pour out the love, let the healing begin. The birds and the bees. I beg you, listen me. I beg you, open your ears for any waiting at they say. Waiting at they talk. Now serious talk at they talk go. No beating anger here speaking. Listen. In this world we deal, members say ya, one day go come, when we all go. Before long, we go meet Mama Godo. When we dey meet Mama Godo, tell me, waiting, you go say.
damnation. You realize all the time we wasting. You realize all the pain we facing. Please pour a cup, feminine libation. My gosh, we raising. Please sympathize all the lies we raising. Please realize all the time. Female energy, one shot, two shot, three taps. Retour à Histoire de passer le temps sur ce bon beat. Ici Maude Savaria au micro. Et après le plastique, nous allons poursuivre tout de suite avec Marie-Laurence et le mythique événement du Reine Élisabeth il y a 50 ans. Eh oui, ça fait 50 ans cette semaine qu'a eu lieu le mythique bed-in de John Lennon et Yoko Ono à Montréal. Ça fait 50 ans que le jeune couple a décidé de rester au lit pendant 8 jours consécutifs dans une chambre d'hôtel du Reine Élisabeth. Donc, ce que je vous propose aujourd'hui, c'est un retour sur cet événement et sur les circonstances qui ont entouré la venue de John Lennon et de Yoko Ono à Montréal au printemps 1969. Donc, pour commencer, ça vient de où cette idée du bed-in? Alors, le concept du bed-in est un peu un dérivé, si on veut, du sit-in. Le sit-in qui, lui, se traduit finalement par une manifestation pacifique, non violente, qui consiste à occuper un espace de manière passive dans le but d'attirer l'attention sur une revendication politique précise. Le sit-in, en fait, c'est une technique militante qui a fait son apparition chez les mouvements sociaux dans les années 60. Le sit-in, à l'origine, a été utilisé par des militants afro-américains aux États-Unis dans la foulée des mouvements pour les droits civiques, et ça a été repris ensuite là, par différents groupes contestataires dans les années 60. On parle bien de sit-in comme s'asseoir? Exactement, exactement. Ça se fait encore. Ça se fait encore, oui, tout à fait. Puis c'est plutôt à partir des années 60 là, que ça commençait à être vraiment utilisé dans la foulée, c'est ça, les mouvements sociaux qu'on voulait manifester de façon pacifique mais efficace au final. Puis il y a aussi eu des déclinaisons au sit-in. On peut penser par exemple au teach-in utilisé dans les milieux universitaires là, par le mouvement étudiant entre autres. Et bon, il y a aussi eu le bed-in. Mais disons que le bed-in de John Lennon et de Yoko Ono fait pas mal figure d'exception. Parce que, disons que si moi, je m'enferme dans ma chambre demain pour protester, même si ma cause est très louable et même si je reste clouée au lit pendant 2 mois, disons que ça a peu de chance de faire les manchettes. En général, en fait, les sit-ins avaient lieu dans des endroits publics, justement, et mobilisaient un nombre significatif de participants dans le but de créer un blocage, une impasse ou du moins dans le but d'occuper la voie. Donc, on comprend que la dimension du collectif, du nombre, est centrale à une manifestation de type sit-in, ce qui n'est pas vraiment le cas pour le bed-in de John Lennon et de Yoko Ono, hein, qui est plus une initiative individuelle ou en fait une initiative de couple. Donc, disons que c'est la notoriété ici de John Lennon et de Yoko Ono qui a fait en sorte que leur bed-in au Reine Élisabeth a tant attiré l'attention parce que ça n'a pas créé de réel dérangement public, si ce n'est que pour les employés du Reine Élisabeth. Ceux qui changeaient les draps. Exact. Donc, en fait, le bed-in Four Peace de Montréal est le deuxième d'une série de deux pour le couple John Lennon et Yoko Ono. Le premier bed-in du couple avait en fait eu lieu à Amsterdam en mars 69, donc quelques mois avant celui de Montréal, et tout juste après le très médiatisé mariage de John Lennon et Yoko Ono à Gibraltar. Donc, John Lennon, qui avait 29 ans à l'époque, et Yoko Ono, qui, elle, avait 36 ans, avaient profité de cette attention médiatique qu'avait apporté leur mariage pour protester pacifiquement pour la paix en cette année 69, où, rappelons-le, on était en pleine guerre du Vietnam. Donc, c'est vraiment dans ce contexte-là que le couple a voulu lancer un appel pacifique, lancer un message anti-guerre, en fait. Mais à l'origine, en fait, le deuxième bed-in devait avoir lieu non pas à Montréal, mais à New York. New York apparaît comme un choix logique, là, puisque les États-Unis étaient en guerre au Vietnam à ce moment-là. Et les militants pacifistes de la fin des années 60, comme la gauche en général, critiquaient ce caractère impérialiste et belliqueux des États-Unis. Mais changement de plan, quand Lennon se voit refuser l'entrée aux États-Unis parce qu'il avait été condamné l'année précédente, donc en 1968, pour possession de cannabis en Angleterre. Ah, petit bum. Ça s'applique plus aujourd'hui ici. Et on devine aussi, en fait, que ça a fait de l'affaire là, du président Nixon que le couple ne vienne pas mettre de l'huile sur le feu dans le contexte de contestation de la guerre du Vietnam qui avait déjà cours et qui agitait déjà un bon nombre de militants aux États-Unis.
L'opposition à la guerre du Vietnam a effectivement été une cause qui a rallié des militants là, de plusieurs horizons différents à la fin des années 60 et au début des années 70 aux États-Unis, que ce soit des étudiants, des militantes pour les droits des femmes, des militants du mouvement pour les droits civiques ou des groupes syndicaux. En fait, l'opposition à la guerre du Vietnam est devenue une sorte de cause commune des mouvements sociaux de l'époque qui a rapidement dépassé les frontières états-uniennes et s'est élargie à l'échelle globale. Donc, c'est une cause qui, même si elle mobilisait particulièrement la jeunesse états-unienne, avait des échos partout à travers le monde. Donc, c'est pas si incohérent que ça de militer pour la paix et contre la guerre du Vietnam à partir d'une ville à l'extérieur des États-Unis. Et Montréal, bon, est l'une des grandes villes proches de New York. Un bon plan B. Donc, c'est finalement dans la suite 1742 de l'hôtel Reine-Élisabeth à Montréal qu'a eu lieu finalement le deuxième bed-in de John Lennon et de Yoko Ono à compter du 26 mai 1969. Ce deuxième bed-in avait les mêmes intentions que le premier, c'est-à-dire de lancer un message grâce au symbole passif et pacifiste que représente finalement le fait de rester au lit entouré de pancartes qui arborent des slogans pacifistes. Faut aussi rappeler qu'en 1969, John Lennon était toujours un membre des Beatles. Le groupe était encore ensemble à ce moment-là, mais la cohésion entre les quatre musiciens battait de l'aile. Donc ça commençait là à barder bien. Un peu, exactement. On pas est proche à cause de Yoko. Pas à cause de Yoko, on non, mais... On va préciser. Exact. Dans ce contexte-là, chacun des quatre membres des Beatles vivait un petit peu plus son individualité. Là, c'était fini l'époque où le groupe arborait là, la même coupe de cheveux, puis les quatre musiciens se présentaient comme une même entité. Puis c'est aussi l'époque où John a commencé à être connu avec Yoko Ono. Yoko Ono, qui, il faut le rappeler, était une artiste d'avant-garde japonaise qui avait déjà une carrière de son côté et avec qui John Lennon s'est lancé là, dans le militantisme. Là, elle aussi, c'était pas juste la femme d'eux, encore une fois. Non, absolument pas. Elle avait déjà une carrière là, artistique, puis c'est d'ailleurs en tant qu'artiste là, que John Lennon l'a connue, puis au départ. Voilà. Si on résume, lune de miel, guerre du Vietnam, mouvements sociaux, pacifisme, la chicane chez les Beatles, c'est dans ce contexte-là que s'inscrit le bed-in du couple. Rassembler toutes ces lettres. Le bed-in a duré 8 jours au total, donc c'est terminé le 2 juin 1969. De nombreux journalistes ont couvert l'événement et c'est de cette façon-là que le couple a pu diffuser son appel au monde entier. Par contre, il ne faut pas partir avec l'impression que tous les journalistes de la planète ont applaudi là, d'emblée le mouvement. D'un côté, il y a quand même certaines personnes, certains journalistes plus puritains qui étaient dérangés par cette contre-culture de l'amour, de la paix et de la drogue qui étaient susceptibles d'influencer la jeunesse et de corrompre leurs mœurs. Puis d'un autre côté, il y a aussi certains journalistes et certains militants qui ont eu un peu l'impression qu'il s'agissait plutôt d'un coup de pub, d'exhibitionnisme, voire de narcissisme caché derrière des revendications politiques. Puis d'ailleurs... Parce qu'ils n'ont pas vraiment contacté le mouvement anti-guerre, le mouvement pacifiste qu'il y avait aux États-Unis ou au Canada. Ils sont juste arrivés, ils ont dit « Ah, oh, nous aussi, on fait partie de ce mouvement-là, mais les gens dans la rue... Hein, » c'est une démarche artistique avant tout, je pense, leur côté. Exactement, puis une démarche du couple, là, finalement. Là, c'était effectivement pas concerté avec quelconque mouvement là, dans toute son amplitude. Mais c'était décidé d'avance. Si c'était le plan B, c'est que c'était décidé d'avance, c'est pas juste une impulsion comme ça qu'ils ont eu. Ben, il y a eu un premier bed-in à Amsterdam. Ils ont profité du contexte, là. Mais il y avait un. Je sais pas, ils ont planifié ça combien de temps d'avance, là. Oui, c'est ça. Si on décide de rester au lit 8 jours, puis finalement, c'est devenu un événement politique. Moi aussi, je fais des bed-in tous les dimanches matin. Donc voilà, ça a pu déranger un peu certains militants parce que il faut pas oublier qu'en parallèle de ce coup médiatique, il y avait aussi, c'est ça, comme on l'a dit, là, toute une organisation politique menée par des militants sur le terrain pour protester contre la guerre du Vietnam qui s'organisait et qui a précédé le fameux bed-in.
Mais malgré tout, le geste des deux mariés a quand même marqué l'imaginaire, qu'on le veuille ou non. Et outre cette mémoire qu'on garde du mythique Bedin, il y a aussi une chanson qui a permis de faire vivre dans le temps le message pacifique de John Lennon et Yoko Ono. Et c'est la très célèbre chanson Give Peace a Chance qui a été enregistrée il y a 50 ans, là, aujourd'hui même. Ah oui? Si, oui, exact. On en écoute un extrait, si vous voulez bien. Je vais la chanter à cappella. Okay, and if you want to join in on the other bits, you can never lose them, never lose them, you know, say what you like, and it's on the wall, and it doesn't, those bits aren't important, you know, that's just the fill-in. Yeah. Okay? A one, two, a one, two, three, four. Everybody talking about Pour ceux qui nous voient en live, on voit c'est qui les fans des Beatles et de John Lennon. Oh oh, on est à découvert. Alors voilà, on vient d'entendre le fameux refrain. Donc la chanson Give Peace a Chance a été composée et enregistrée à même la chambre dans laquelle s'est déroulé le bed-in. John Lennon et Yoko Ono avaient fait appel à des amis pour venir chanter avec eux. On avait accroché au mur les paroles des chansons et c'est vraiment comme ça que ça a été enregistré, donc dans la plus grande convivialité, dans la plus grande familiarité. Et ça cadre aussi en fait avec le message, avec l'esthétique et les choix artistiques du bed-in, parce qu'en 1969, John Lennon était l'un des musiciens les plus populaires de l'heure. On s'entend qu'il aurait eu les moyens d'enregistrer sa chanson dans le meilleur des studios professionnels du monde s'il avait voulu, mais c'était quand même plus cohérent artistiquement là, d'enregistrer la chanson de cette façon-là. Donc, c'est André Perry, un musicien et réalisateur montréalais, qui a enregistré puis mixé le lendemain la chanson dans son studio de Brossard. Pour l'anecdote, l'enregistrement original de Give Peace a Chance était d'assez mauvaise qualité, puisqu'il avait été là, justement enregistré avec les moyens du bord à même la chambre du reine Elisabeth. Donc, le lendemain, pour essayer d'améliorer la piste musicale qui avait été enregistrée la veille, André Perry, le réalisateur, a fait appel à une dizaine de ses amis musiciens en renfort. Et parmi eux, on compte Robert Charlebois et Mouff, qu'André Perry connaissait pour avoir travaillé avec eux sur Lost It Show l'année précédente. Donc, croyez-le ou non, on retrouve les voix de Mouff et de Robert Charlebois sur l'enregistrement de Give Peace a Chance que vous venez juste d'entendre. Oh, wow. C'est fou, hein? Je ne savais pas. Hey, ça a pas, moi non plus, je ne savais pas du tout avant de lire là-dessus cette semaine. Puis voilà, j'ai vu une entrevue que Robert Charlebois a donnée récemment, là, puis il disait que ouais, il pouvait reconnaître sa voix sur l'enregistrement, puis lui il pensait comme ça là dans une entrevue, ouais, Loki, tu sais, en passant. Donc, ouais, voilà. Alors, outre la chanson Give Peace a Chance, il y a également le film Bed Peace qui a été filmé par un caméraman qui était présent là dans la chambre pendant le bed-in. Le caméraman qui a filmé, là, finalement, tout le quotidien de ces 8 jours-là, les entrevues aussi avec les journalistes, parce qu'au final, c'était pas mal ça, le bed-in, là, c'était une série d'entrevues, mis à part l'enregistrement de la chanson. Exactement. Aussi. Fait que plein de journalistes à travers le monde, puis voilà, fait qu'on a vraiment accès à ces entrevues-là avec le film Bed Peace, puis qui est accessible, en fait, maintenant sur YouTube, si vous voulez aller l'écouter, voir des images de ça. Voilà, puis à part de ça, pour l'occasion du 50e anniversaire du bed-in, si vous voulez là un peu revivre les événements, entre le 25 mai et le 9 octobre, donc c'est déjà commencé, le grand hall du Reine Elisabeth est transformé en salle d'exposition gratuite pour commémorer l'événement, si ça vous intéresse de voir des photos et des pièces d'archives.
Puis, il y a aussi la Fondation Phi dans le Vieux-Montréal qui consacre une exposition aux bédines et aux œuvres de Yoko Ono présentement. Mmh. Aussi, dans la foulée du 50e des événements. J'ai pas encore eu la chance d'aller à ces expositions-là, mais je suis quand même curieuse d'aller voir ça. Ben oui. Ben oui. Des bons plans pour les prochaines fins de semaine, peut-être. Exactement. Wow, mais merci, Marie-Laurence, de ce résumé du 50e. Pour le 50e du Bédine. Et je pense qu'on va aller en musique, Valérie? Oui, je vous propose d'écouter encore une fois dans un élan hip-hop la chanson Forever de l'artiste Sarok. When I wake up, no makeup, half naked, I feel like I'm the shit. Pardon my language, but hang-ups do not define the kid. No, I'm not flawless, I'm scarred up and I'm fine with it. My body art a laundry list of all of life's unkindnesses. But I still sip tea, enchant ohm, and live free. Cause hardships and heartbreaks turn to rap epiphanies. And mom told me stay woke, cause all gold ain't glistening. Choose your words wisely, cause the all-knowing's listening. But no worries, I'm Gucci, my thighs are a little juicy. My dialogue, little awkward, my idols still move me. My life is a movie, like Raheem and Mookie. I'm just trying to do the right thing, hope that it improves me. My bamboos accustomed to me, you'll be soon accustomed to me. This tomorrow, I got royal hemoglobin coursing through me. And my strength is now inhuman, I get that straight from my umi. Signed in silver, I'm out the grill of yours and truly. You better shine on them, baby, you're a star. You better be exactly who you are forever. Cause they gon' try and change your heart, don't let up. Cause you're so damn fine, just the way you are. You better shine on them, baby, you're a star. You better overnight. I was in that mirror like 4 or 5 times a week on my mind. Beats reciting affirmations like holy writings. And I still don't know everything, but I guess confessions from 8x11s and studio sessions seem like it's only right. And trust me, this my therapy, fuck your couch. Finna murk all these Murphy types, funny style, let me shut your mouth. Touch me, I'm slaughtering crews, squads, goons, teams. The queen is coming to rule your region, coming for all of your asses, plus your house. I ain't always have it in me, no titles for pretending. I was 14 years old, forcing pills down my throat, so my baby fat diminished. Still got these scars from cutting my wrist when I thought the life was finished. Now they remind me what my lows look like, now I know the sky's the limit. Okay, never claim to be perfect, that's an impossible dream. I'm just saying that I'm worth it, that's the responsible thing. Spend half my life trying to find my life from outside sources. Why the only voice that mattered came from me? You better shine on them, baby, you're a star. You better be exactly who you are forever. Cause they gon' try and change your heart, don't let up. Cause you're so damn fine just the way you better are. Shine on them, baby, you're a star. You better be exactly who you are forever. Cause they gon' try and change your heart. When Rock go in, she too aggressive, that's too masculine. And her content a little too obsessive, just relax a bit. She say she got, that's narcissistic, just the facts of it. Nah, I don't really F with female rappers, that's just sacrilege. Glad I learned early not to internalize every ink up. Daddy told me with every opinion there comes a sphincter. And they would rather she them thoughts than popularize a thinker. Why them lying archetypes is chasing cat, I'm trying to sphinx her. Rap arrow, skin caramello, apparel mainly vintage. Merrill composer, warrior, so every verse became a vengeance. Went through too much hair to not be fine, but they still fainted. Et retour à Histoire de passer le temps avec Maud Savaria au micro sur ce merveilleux beat hip-hop. Et nous n'allons pas parler de musique cette fois-ci, mais bien d'une famille très influente au Québec. Joël, tu nous parles d'une famille qui a fait pas mal plus que juste la bière. Oui, ben oui. Ben c'est sûr qu'aujourd'hui, on la connaît surtout pour la bière, mais on va parler de John Molson et de son œuvre principale sur le plan maritime, c'est-à-dire l'Accommodation. Vous savez, moi j'habite au bord de la rivière et maintenant que les temps... Non, on savait pas. Non, bon, ben maintenant vous savez. Mais maintenant que les temps chauds sont arrivés, ben j'ai commencé à voir des rameurs sur la rivière avec leur kayak et même certains qui ont pas froid aux yeux, qui ont déjà sorti les sidoux et autres engins à moteur pour s'amuser sur l'eau. Ces engins vont très très vite et ça m'a donné le goût de vous parler aujourd'hui du premier navire à vapeur à naviguer sur le Saint-Laurent. Avec une puissance pourtant dérisoire qui s'appelle l'Accommodation. Si les bateaux sont importants pour le commerce partout sur Terre depuis très longtemps,
on s'est plutôt fié à des modes de propulsion plus irréguliers ou plus incertains, comme la force des bras ou la force du vent. Or, la machine à vapeur de Newcomen, qui est brevetée en 1712, ouvre la voie à la mécanisation de la navigation. Les machines à vapeur fonctionnent toutes selon un principe qui est assez simple au fond. On fait brûler un carburant, comme le bois ou le charbon, pour faire chauffer un réservoir d'eau. La pression exercée par l'ébullition de l'eau pousse sur un piston qui fait bouger une manivelle ou un autre engin. La première machine à vapeur a toutefois une puissance très limitée et il faut attendre la machine à vapeur de James Watt, oui, celui de qui on tient le nom de l'unité de puissance. Et en 1776, Watt améliore donc la machine de Newcomen, permettant enfin d'avoir une puissance suffisamment élevée pour permettre la navigation au moyen de la machine à vapeur. Les premiers essais de navires à vapeur sont assez difficiles. Le premier bateau construit en France en 1776, le Palmipède, échoue lamentablement et coule. Son amélioration, le Pyroscaphe, construit 7 ans plus tard, réussit un voyage de 7 minutes à contre-courant avant que le moteur ne s'arrête. Il va recommencer après réparation, il va refaire quelques minutes avant de se réarrêter, mais il arrive à fonctionner tout de même. Le Fitch réussit le premier à faire une navigation relativement continue. Et là, on est aux États-Unis, sur le fleuve Delaware, près de Philadelphie. Mais malgré tout, ces navires ont une très faible propulsion et fonctionnent en remplaçant les rames sur le côté du bateau par une roue à aubes. Pour vous figurer un peu à quoi ça peut ressembler, imaginez-vous un moulin à eau. Maintenant, imaginez que le moteur fait tourner la roue du moulin pour qu'elle pousse sur l'eau à la façon d'une rame, plutôt que l'eau qui la pousse. Ce sont donc les roues à aubes qui sont en acier, et il y en a une de chaque côté du bateau qui pousse l'eau à la manière de rame. Évidemment, une des difficultés est de les rentabiliser sur le plan commercial. En effet, d'une part, le moteur, les roues et la mécanique sont très lourds. Ça demande au bateau d'être très solidement construit. De plus, le moteur est très énergivore. Il faut donc beaucoup d'espace pour entreposer le bois et donc il y a moins d'espace pour les passagers, ce qui rend difficile la rentabilisation du projet, évidemment. Revenons maintenant dans notre beau Saint-Laurent natal à nous. La navigation à vapeur sur le fleuve est surtout l'affaire d'un homme, John Molson. John Molson, que tout bon Québécois connaît de nom, est le fondateur de la brasserie Molson, mais sera aussi le bailleur de fonds de l'Accommodation. Il arrive d'Angleterre à Montréal en 1782, alors qu'il est un orphelin de seulement 18 ans. Il fonde rapidement une petite entreprise, une boucherie commerciale avec des amis de la famille, ce qui lui permet de commencer à amasser un certain capital. En 1785, donc à l'âge de 21 ans, il acquiert une petite brasserie située au pied du courant à un certain Thomas Lloyd. Alors, on se trompe quand on pense que c'est Molson qui a fondé la brasserie Molson, puisque la brasserie appartenait à Thomas Lloyd. Mais c'est lui qui la développe et qui lui donne le nom qu'on lui connaît aujourd'hui. Pendant une vingtaine d'années, il investit tout son capital à faire fructifier la brasserie et réussit à amasser beaucoup d'argent avec. À ce moment, il est encore pourtant peu intégré à la bourgeoisie montréalaise. Ça tient du fait que la bourgeoisie montréalaise, la fin du 18e siècle, est surtout dominée par les barons écossais de la fourrure. Donc, quand on pense au McGill, quand on pense à Richardson, quand on pense aux autres noms qu'on connaît aujourd'hui comme Red Pat. Bref, tous les Écossais. Bref, tous les Écossais. Oui, juste les riches. Juste les riches. Oui. Les autres, on les connaît un petit peu moins. Mais Molson est un descendant d'une famille noble anglaise et donc n'est pas un Écossais, n'est pas non plus presbytérien comme les Écossais, c'est un Anglican, et il n'est pas non plus impliqué dans la fourrure, ce qui lui rend difficile l'accès aux réseaux commerciaux. Il réussit quand même progressivement à se faire reconnaître grâce à son implication à titre de vénérable maître de la loge franc-maçonnique Saint-Paul, donc la loge franc-maçonnique de Montréal, et par son financement pour la construction de l'église presbytérienne écossaise de Montréal. Au tournant des années 1800, l'air est au changement dans le commerce du Bas-Canada. En effet, les barons de la fourrure perdent progressivement du pouvoir face à la diversification du marché. De plus,
le blocus napoléonien en Europe crée une forte demande pour le bois canadien en Angleterre. On voit donc une multiplication des navires commerciaux sur le fleuve, mais on parle à ce moment de navires encore de navires à voile. En 1807, Robert Fulton développe le premier succès commercial pour un bateau à vapeur, avec son bateau, le Clermont, qui relie New York et Albany par le fleuve Hudson. L'année suivante, le Vermont, un autre navire à vapeur, relie le lac Champlain à Dorchester, Dorchester qu'on connaît aujourd'hui comme la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ah. Évidemment, j'ai pas le choix de le dire parce que c'est ma marque de commerce, ben Molson décide d'embarquer dans le bateau et de ne pas laisser l'opportunité lui couler entre les doigts. Il décide donc d'y aller à pleine vapeur dans la navigation de l'avenir. Je sais pas à quel point ça devient too much. C'était le but. En 1809, il devient donc un des trois associés dans une entreprise commerciale initiée par John Jackson, qui est mécanicien, et John Bruce, qui est constructeur de navires. Les deux avaient déjà commencé la construction d'un navire à vapeur, mais il manquait de financement, ce dont Molson ne manque pas du tout. La construction de l'accommodation se fait sur les chantiers d'Art Logan, tout juste à côté de la brasserie au pied du courant. Les composants du moteur sont coulés dans les forges du Saint-Maurice et usinés à Montréal dans l'atelier de George Platt. Le moteur peut dégager le chiffre astronomique de 6 chevaux vapeur, donc à peu près l'équivalent de ramé. Oh. Et sa construction, qui est faite entièrement au Bas-Canada, en fait le premier bateau à vapeur entièrement fabriqué en Amérique. Donc c'est local, mais ça va pas très vite. Oui, on pourrait dire ça. Le bateau lui-même fait 26 mètres de long par 4,5 mètres de large seulement, et il peut transporter jusqu'à un maximum de 20 passagers. Il possède aussi un mât avec une voile, si le vent s'y prête, et des rames en cas de problème. Et des problèmes, il y en aura. Non seulement sa construction s'est avérée coûteuse, mais en plus, il ne semble pas assez puissant pour bien remplir son travail. Son premier voyage est effectué entre le 1er et le 4 novembre 1809 et coûte environ 9 livres. Avec seulement 10 passagers à bord, le bateau décolle de Montréal vers Québec. Ça lui prend environ 24 heures pour descendre le fleuve jusqu'à Trois-Rivières. Il va y demeurer ancré pendant 30 heures pour remplir le dépôt de bois et réparer le moteur qui a déjà eu des ennuis. Oh. Ensuite, il repart vers Québec. Ça lui prend 66 heures. Malgré tout, 66 heures, pour l'époque, ça relève presque d'un exploit technologique. Pour les bateaux, ou, admettons, Montréal-Québec, ça faisait combien de temps? Ça prenait combien de temps? L'été, là? On parle de plusieurs jours par les routes. Bon. Oui, oui, donc c'est une réussite. Par contre, il faut relativiser la réussite, puisque descendre le fleuve avec le courant, c'est une chose. Remonter contre le courant, c'en est une autre. Son moteur trop faible n'arrive même pas à remonter la faible marée qu'il y a à Québec lorsqu'on tombe en marée haute. Et son retour à Montréal va prendre 7 jours. Il ne faut pas que tu sois pressé, hein, quand même. Peut-être de rendez-vous de prévu, oublie ça. Il ne faut pas être nerveux en regardant le moteur qui boucane à côté. Mais comme je l'ai dit, on est en novembre, donc on est assez tard dans l'année. C'est donc son seul voyage en 1809. On le laisse hiverner dans le Richelieu à Sorel pour l'hiver. Pendant l'hiver, on va faire quelques réparations dessus, hein, parce que l'année 1810, Molson la voit comme une meilleure année. Dans les premiers mois de l'année, donc, on effectue quelques améliorations, notamment sur la réserve de bois, parce qu'on veut minimiser les arrêts, puisqu'il n'y a pas encore de dépôt de bois partout le long du fleuve pour faire fonctionner la machine à vapeur. On aménage aussi une sorte d'habitacle sur le pont pour minimiser les inconvénients de la fumée des moteurs pour les passagers. Une des grandes critiques qu'il y avait eu. Entre juin et octobre, l'accommodation effectue environ une dizaine d'allers-retours entre Montréal et Québec. Toutefois, vu la faible puissance du moteur et les difficultés mécaniques, les départs ne sont vraiment pas réguliers. En fait, ils sont si difficiles à prévoir que Molson refuse même de les annoncer dans les journaux et préfère faire appel à un crieur public pour annoncer les départs à la dernière minute dans le centre-ville du Vieux-Montréal. Ah, c'est une technique de publicité valable. Donc,
ça nuit un peu à son expérience commerciale, puisque les gens préfèrent presque la fiabilité du voyage par route, dont au moins ils connaissent la longueur, et ils connaissent le moment du départ et le moment de l'arrivée. Ben oui, ils ont le temps de préparer leur bagage, tu sais. Non seulement ça, mais plusieurs voyageurs se plaignent encore de l'étouffante fumée et la mauvaise qualité générale de la construction. Les voyageurs européens qui connaissent des meilleurs ouvrages en Europe arrivent ici et disent « ben, ça a pas de bon sens ». Reconnaissant les nombreuses faiblesses de l'accommodation, John Molson prend des mesures drastiques. Il commence par racheter les parts de ses associés et effectue des renvois dans la compagnie. Puis, dès janvier 1811, le bateau est démantelé et l'habitacle est réaménagé comme chalet d'été pour Molson. Ben oui, la récupération, lui, oui. Il connaissait ça. C'est ça, c'était pas en plastique, ça, là, ça se faisait. Donc, l'expérience commerciale est très coûteuse pour Molson. Il a investi plus de 4000 livres pour la construction et aussi pour le fonctionnement, pour ne récolter en recette que 500 livres durant l'année et demie que ça lui a pris. Grâce à sa brasserie, il peut absorber cette perte et même réinvestir. Parce que, pour Molson, la navigation commerciale sur le Saint-Laurent va passer par la vapeur. Il débute donc la construction d'un nouveau navire et, pour contrer les forts courants du fleuve, fait venir d'Angleterre le meilleur moteur disponible. Le navire, le Swiftsure, est lancé en 1812 et sera le premier succès commercial de Molson en la matière. Il travaille fort pour bien rentabiliser son entreprise en demandant un monopole sur la navigation à vapeur sur le Saint-Laurent à l'Assemblée législative, mais sa demande est refusée par le Conseil législatif. La guerre de 1812 aide considérablement le contexte commercial puisque l'armée va utiliser le Swiftsure sur sa base commerciale pour transporter des troupes et de l'approvisionnement pour la guerre. Tellement grand est son succès que 3 navires supplémentaires sont commandés en 1814, 1816 et 1817. Celle-là, ça se fait en combien d'heures environ, Montréal-Québec? On parle d'une question d'une douzaine d'heures environ. Oh, donc, wow, okay. Beaucoup mieux. Mais c'est surtout sur le plan de la fiabilité. Oui. Parce que c'était sur ce point-là que ça allait mal. Oui. Évidemment, quand on parle d'heures, c'est très différent contre le courant et avec le courant, bien sûr. Le contexte colonial a quand même considérablement évolué durant cette période-là. Parce que, à partir de 1815, l'arrivée massive de vagues d'immigration britannique dans la colonie afflue à Québec. Molson est donc là pour apporter les immigrants vers Montréal, puis plus haut sur le fleuve vers les Grands Lacs et le Haut-Canada. Si son monopole officiel est refusé, il bénéficie pendant longtemps d'un monopole sur papier quand même, parce que la compagnie qu'il partage avec ses fils est la seule à avoir des navires à vapeur sur le fleuve en possédant jusque 36. Ce qui était vraiment beaucoup. Ce qui était un chiffre énorme. Wow. Même après sa mort, la compagnie continue de fructifier, malgré les conflits entre ses 3 fils. En effet, si sa compagnie n'en a pas tout le mérite, le développement de Montréal et du Haut-Canada lui en est grandement imputable grâce à l'efficacité du réseau de transport permettant d'apporter matériaux, approvisionnements et commerce aux régions les plus reculées. À la fin de sa vie, Molson domine le commerce, mais son empire est divisé entre ses fils. Et le chemin de fer qui arrive à grande vitesse coupe les ailes du navire à vapeur et ses enfants n'ont pas le flair commercial d'investir dans le chemin de fer. Ce qui met fin à la domination de Molson dans ce milieu-là. Donc, encore une famille riche qui s'est mal divisée à l'héritage. Il y a d'autres joueurs qui rentrent dans la game, comme le Canadien Pacifique, le Grand Prompt et tout ça. Là. Oui, mais évidemment, on parle des années 1850 en montant, alors que Molson est décédé en 1836, mais ses enfants n'ont pas le flair d'aller investir à temps. Leurs investissements au bon moment. Une chance qu'il y avait la bière. Ben oui, c'est ça, au moins. Toujours. Ça a toujours fonctionné. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui, pour l'émission d'Histoire de Passer le temps. Merci d'avoir été là. Suivez-nous sur Facebook, sur Twitter, partagez notre émission, écoutez-nous sur le live Facebook, sur le site de choc.ca ou en balado sur votre application préférée. Bonne soirée!